Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur The Smile Again, sur encore une fois The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et alors, la dernière fois, ça avait bugué. J'avais réussi à la quatrième créature divine, mais ça avait bugué. Mais je pensais vraiment pas que ça allait bugger. Donc c'est vraiment dommage, parce que du coup le boss et tout ça, je les avais fait en même temps, mais ça a bugué. Donc du coup, aujourd'hui on va aller combattre le boss. Et regardez le bouclier de malade que j'ai trouvé, hein. Le bouclier d'Ilia. Donc avec l'effet de légende, ça va très bien. On va commencer déjà par sauvegarder juste là. J'ai eu le temps d'améliorer, enfin j'ai eu le temps d'aller chercher un peu quelques sanctuaires. Donc déjà pour commencer, on va aller dans le château, hein. Si on veut combattre le boss, ce sera plus pratique. Ah, et on va combattre ce truc. Voilà, comme ça c'est plus simple. Donc j'ai un cœur en plus et un... un cœur en plus et... Oh. Cœur en plus... Ah oui, d'ailleurs j'ai acheté plein de flèches parce que je me suis fait plein d'argent en revendant tous les trucs. Donc j'ai un cœur en plus, un petit et une mini barre d'endurance en plus. Du coup, je vais me concentrer sur l'endurance. À part si vraiment il y a un endroit où j'ai besoin de cœur. Et ensuite, ah oui d'ailleurs, journal, maintenant j'ai aussi déjà le truc de l'ordre prodige. Alors qu'on n'a pas, alors que j'ai pas encore battu Ganon. Donc on va le faire. Parce que sinon ça aurait servi un peu à rien. Ah, faut qu'on aille au centre à peu près, je crois. Du coup c'est cool parce que plus t'as d'énergie, plus t'as de trucs. Donc là on est vers l'intérieur du château. Alors on va monter par la truc. On va monter par la cascade. Ah oui, et j'ai acheté au gars qui vend les trucs de monstres la tunique noire parce que en fait quand on finit les quatre créatures divines, il propose l'ensemble noir, donc en gros l'ensemble de Dark Link. Et j'ai acheté avec mon argent du gars là, l'argent que le gars il a pour sa petite boutique. Et ben j'en ai eu 999. Et du coup, je me suis acheté une partie de l'ensemble noir. Donc en fait, il y a la tête de l'ensemble noir qui est... Enfin, la tête de Dark Link qui est... Ah oui, la tête de Dark Link, elle est à... 1999. La partie... Enfin, la partie que j'ai, 999. Et l'autre aussi. Donc en fait, faut juste aller chercher un max de trucs de monstres. Voilà, remonter. Alors, remonter. Ouais, au pire. Non, monte pas là-dessus. Mais pas là-dessus non. Attends. Voilà, ça va être plus simple. On va monter là. Oh, génial. Bon, en plus, je suis tombé, hein, donc le gros fail. Donc on va passer par l'escalier, c'est plus pratique. Surtout que là j'ai quasiment plus de vie en fait. Attends. Je vais manger, hein. C'est plus
plutôt pratique. Surtout quand il y a plein de... Voilà. What? C'est quoi ces gardiens? Mais wow! Ça doit être des gardiens qui te repèrent de loin ou un truc comme ça. Ou sinon ils sont deux fois plus puissants. Faut aller tout droit, ouais, dans le château en fait. Bien. Oui. Attendez, peut-être d'autres trucs pour me soigner maintenant. Ah ouais, ça c'est pas mal, les gros trucs max. Melon glagla, carotte tambour. Ah non, carotte vigueur. Wow! Alors. Imagine? Ah bah oui, j'imagine que c'est là du coup, non? Oui, non. Sûrement. Sûrement beaucoup, ouais, sûrement beaucoup. Ouais, donc il y a ça. Ok, donc encore la cinématique. Oh, il lance des gros rayons laser. D'accord, cool. Tu dois vaincre. Alors, donc en fait, ils vont tous les quatre balancer un rayon laser, j'imagine. Hein. Alors. Ouais, trop bien. Et en plus, après, le petit bonus. Oui. Donc, alors. Ah ouais, et puis en même temps, perfect timing, hein. Alors. Ok, donc là c'est Ganon. Ah, mais il s'est pris combien de dégâts? Ah ouais, la moitié de sa vie quand même. Ah oui, c'est pas mal ça. Hein. Absolument pas. C'est pas mal, non? Ça se fait pas. Ah bah j'en avais tout pilassé. Voilà. Eh, ça lui fait rien comme dégâts. Trop génial. Encore une fois. Alors. Tirer dessus quoi, c'est... Ça m'étonnerait genre qu'il n'y ait pas de deuxième phase.
Ouais, bon, voilà la deuxième phase. Autant de dégâts que l'autre. Voilà, donc le pouvoir. En fait, c'est facile à esquiver ces rayons laser. Oh, merci carrément le feu. Ah, en fait, il sort d'immuniser le vers son abdomen, je dirais. Enfin, au pire, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on pourrait manger qui pourrait nous soigner? Absolument rien, très bien. Voilà, alors. Allez. On l'a battu? C'était facile, non? Enfin, c'était pas facile, mais c'était pas dur quand même, quoi. Non, enfin, je vois pas trop. Alors, c'est fini? Ganon. Ah, ok, oui, non, c'est pas fini. Ça doit pas être très trop fini. Hein. Alors, ok, d'accord, donc là c'est Ganon. Incarnation du mal et de la rancœur. Ganon, créature maléfique. Cool. Super sympa quand même. Ouais. Bon alors. Cool, super content de le savoir. Je vais continuer son aura maléfique. Je ne pourrai pas tenir très longtemps. Il te faudra viser les points lumineux. Ok. Ça marche, les amis. Je crois en ta victoire, oui. On va faire ce qu'elle dit. Ah ok, en fait
y a une sorte de limite. Et de 3. Le pouvoir de Ganon s'affaiblit. Trop cool. Alors, on fait moins le malin maintenant, hein. En fait, il perd sa vie super rapidement. En fait, il y a carrément 3 phases. Alors, en fait, c'est un boss de fin, donc c'est peut-être un peu normal. Et puis après la fin normale du jeu, il y a les DLC que j'ai acheté quand je n'avais même pas encore ma chaîne YouTube. Alors, alors si je me souviens bien, tu dois descendre. Oh bah on l'a battu, d'accord, c'est cool. Alors, alors, il y a un truc de lumière. Oh, c'est Zelda, ok. D'accord, le truc de lumière, c'est Zelda. C'est pas un truc de lumière. Alors. Waouh. Alors. Alors, du coup, maintenant. Et il y avait la Triforce au-dessus de Zelda. Un petit moment, vraiment un petit moment. À battre Ganon, terminé. Cool. En fait, le truc, c'est que hors vidéo, je vais continuer à faire tous les sanctuaires et tout ça. Et en vidéo, on va faire l'aventure du DLC, en fait.
Et bah en fait, on va faire l'aventure du DLC en vidéo. Donc évidemment, The Legend of Zelda. Donc, c'est... Bon, alors, l'aventure principale est finie. Il y a un truc que je peux vous montrer. Donc, je vais faire un sort. On va passer le générique parce que le générique de fin, c'est tout le temps un peu énervant. Hein, Il y a un truc que je veux carrément vous montrer, mais vraiment énormément. Je veux vraiment vous montrer. Alors, voilà, maintenant, du coup, il y a une petite étoile parce que du coup, j'ai fini le jeu. Enfin, j'ai fini l'aventure principale. Donc, du coup, j'ai les DLC. Donc, on ira faire les aventures du. On ira commencer le DLC dans la prochaine vidéo. Mais le truc le plus cool, enfin, à part le DLC, l'un des trucs les plus cool qu'il y a là-dedans, quand t'as fini le boss, quand t'as tué le boss, l'un des trucs le plus cool, enfin, c'est de 1 que tu peux rebattre le boss. Le truc le moins cool, c'est que tu gardes pas l'arc de lumière. Mais sinon, faut sortir. Donc on fait sortir, on sort, c'est un peu logique. Donc du coup on va se retrouver à l'entrée du château. Et à cette entrée du château, on va aller sur la carte et c'est vraiment cool. C'est pas cool, enfin ça sert vraiment à rien, mais c'est bien quoi. Enfin, sert à rien, mais c'est mieux que juste comme ça. Parce que là, quand on a battu le boss de fin, on a le pourcentage du jeu qu'on a fait là tout en bas à droite, enfin à gauche, non à droite, à gauche, oui. Tout en bas à gauche, on a là 15,32% sur 100. Ok, donc je suis loin. Hein. Et comme j'ai les DLC, j'ai trouvé la minute de téléportation. Hein, par exemple, si je suis là, je la pose. Enfin, si je suis là, je peux pas la poser comme ça. Hein. Je vais à cet endroit-là, je la pose. Et je peux me téléporter là après. Mais je voulais voir ce que ça faisait, donc du coup je l'ai posé là, alors que là il y a la tour. Du coup j'ai 64 sanctuaires, donc c'est pas mal. Le truc c'est que j'essaye de trouver des sanctuaires par là, parce que sinon j'ai aucun sanctuaire, c'est assez embêtant. Mais les amis, c'est la fin de cette aventure. Enfin, c'est pas la fin. C'est à peu près la moitié, je dirais, parce que... Alors, si on va dans le journal, on encore abattre Ganon, mais bon... Hein. Après, on peut pas vraiment la terminer, abattre Ganon. Enfin, je pense qu'il faut déjà tout... Hein? Ah, oui. Retournez voir un pas. Pourquoi j'y ai pas pensé? mais bon... Donc, les amis, on va se laisser là. Pour cette fois, j'espère que cette vidéo, on aura combattu le boss, vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, ça fera vraiment plaisir. Et au revoir et à dans la prochaine vidéo. Attendez, faut que comme ma tablette avec laquelle j'enregistrais. Qui ne buguait pas, évidemment, bug. Et ben du coup j'ai quelques problèmes. Au revoir, à dans la prochaine vidéo.